Bonjour tout le monde, c'est Gwendal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo d'un modeur. Donc je répète à peu près le principe pour les gens qui ne savent pas. Les vidéos d'un modeur, c'est comme un Squeezie Time, mais version Gwendal Modding. Donc ça s'appelle vidéo d'un modeur, où je vous parle, où je vous pose des questions. Alors sachez que donc là j'enregistre ma voix sur un truc que j'avais déjà joué. Il y a assez longtemps, enfin longtemps, tout est relatif. Sur un truc que j'avais déjà enregistré, je me suis dit, bah, je sais pas trop quoi ça pourrait me servir ce machin-là. Mais bon, voilà, j'avais enregistré ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu. Certes, la dernière vidéo d'un modeur a été faite il n'y a pas très très longtemps, donc j'ai pas forcément grand-chose à vous dire. Mais bon, enfin. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Qu'est-ce que je vais vous dire? Si, bah si, je voulais tout d'abord vous remercier puisque dans quelques heures, on va passer la barre des 1000 abonnés. Si c'est pas déjà fait au moment où je poste la vidéo. À l'heure actuelle, au moment où je suis en train de vous causer, nous sommes clairement à 900. 73 abonnés, c'est assez énorme. Voilà, je sais pas si vous imaginez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est énorme. Non, c'est vraiment énorme. Je pensais jamais arriver à ce point-là. Sachez que sur Farming, une fois qu'on a passé les 2000 abonnés, on est considéré quand même comme un YouTuber connu. Sur Farming, en tout cas. En tout cas, ça reste sur Farming. Moi je trouve ça, enfin je trouve ça énorme quoi, enfin on va arriver aux 1000 abonnés quoi dans quelques heures. Ça va être énorme, ça va être énorme, ça va être surnaturel. Ça va être vraiment surnaturel. C'est vrai que quand j'ai créé la chaîne avec tout le monde, enfin avec tout le monde, avec Vaxa à l'époque. Oh putain, il y a longtemps, oui. C'est vrai qu'il y a très longtemps de ça. Ceux qui me suivent depuis très longtemps peuvent le connaître. Les autres, ça va être compliqué. Mais c'est vrai qu'à l'époque où j'ai créé la chaîne, voilà, on avait 50 abonnés. J'étais hyper content quand je prenais un abonné, machin. Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé au 900. Bah, au moment où je tourne la vidéo, 973. C'est énorme, c'est juste énorme. Imaginez-vous, parce que généralement, les gens qui regardent ma chaîne YouTube, enfin, qui regardent mes vidéos, ont une petite chaîne YouTube. Donc ça fait plaisir à entendre. Voilà, de ouais, machin, moi je suis assez fort, enfin, je suis assez fort. Enfin, je suis assez fort, non. Pas du tout ce que je voulais dire. Mais moi, voilà, avec ma petite chaîne YouTube, j'arrive pas, machin, à me développer. Bah, voilà, sachez que moi non plus, j'ai eu très, très du mal. J'ai eu du mal à me développer, hein. Vous prenez le simulateur Auvergnat, lui s'est développé en même pas un an. Il a plus de 2000 abonnés, donc c'est bon. Lui, il a eu beaucoup de chance. Moi, j'ai eu un peu moins de chance. Je me suis battu. Bon, puis voilà. Maintenant, je me retrouve à faire des vidéos. Des vidéos Farming Simulator 15 versus la vie. Donc, c'est vrai que cette vidéo-là, je l'ai postée le soir quand je me suis réveillé. Il y avait déjà 100 vues. J'ai dit, mais attendez 2 secondes. C'est-à-dire que les gens. Donc bon, en même temps, je me suis réveillé à 9h30, donc j'ai envie de vous dire. Bon, mais en même temps, j'ai posté la vidéo un peu tard le soir. Donc forcément, j'équilibre. Mais j'avais déjà une centaine de vues. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Moi, je veux bien machin que je poste mes vidéos et que j'ai des vues. Mais de là à en une nuit, entre le moment où je la poste, je dors et je regarde, il y avait déjà plus d'une centaine de vues. Donc c'est. Et non, vous êtes vraiment des malades. Voilà, voilà, je pourrais jamais autant vous remercier. La vidéo de mes 1000 abonnés, je sais pas trop encore quoi faire, mais bon. Bon, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, mais voilà, maintenant je vous dis, clairement, je pense que je vais faire. Je vais pas faire un live parce que tout le monde le fait, puis bon, bah, j'ai pas forcément envie de faire comme tout le monde. Depuis le temps que. Ceux qui me suivent depuis assez longtemps peuvent le comprendre, enfin peuvent le deviner. Ensuite, bah peut-être pas faire un live, mais faire peut-être une vidéo remerciement. Alors peut-être pas non plus une vidéo multi, une vidéo où je pense que je serai seul parce que
été pas mal seul pour faire cette chaîne-là. Mais je pense vraiment remercier tous les gens qui m'ont aidé. Bon, tous les gens, ça va être compliqué étant donné qu'il y en a beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de personnes en qui cette chaîne YouTube-là ne se serait même pas créée. Hein. Je pense notamment à Baxa, avec Zaris, à Bastien. Sachez que vous connaissez peut-être pas ces personnes-là puisque ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'ils ont quitté la chaîne. Mais à l'époque où j'ai créé la chaîne Simulagame, à cette époque-là, voilà, enfin, cette chaîne-là, c'était énorme. C'était vraiment énorme. C'était incommensurable. Ça te dit ça? Ouais. Non, mais c'était vraiment énorme. Au moment où j'ai créé cette chaîne-là, j'avais 50 abonnés, comme je vous ai dit, mais c'était nul. Nul. Non, je déconne. Non, mais voilà, bon, juste pour vous remercier, puis je vous remercierai plus tard. Voilà, je remercierai plein plein de gens. Tous les gens qui suivent mes vidéos, j'ai plein de commentaires. Surtout sur. En fait, je fais surtout cette vidéo-là pour vous. Pour la vidéo que j'ai sortie il y a. Bah, au moment où je tourne, il y a 10 heures. Farming Simulator 15 versus la vie. Les commentaires me font extrêmement plaisir. Clairement, là, c'est du commentaire ultime. Super vidéo, j'ai quoi d'autre? Si on devait résumer ta vidéo en un mot, ce serait magnifique. C'est énorme. Le simulateur breton qui me dit comment dire magnifique, j'adore, très beau comparatif. Super vidéo, cool, vidéo cool. GG mec, enfin voilà, enfin c'est voilà, c'est vraiment énorme. Et les commentaires arrivent, voilà, c'est voilà. Je tiendrais juste à dire en fait que je suis désolé puisqu'on m'a fait peut-être la remarque, c'est que dommage que j'ai pas planté plus d'équipement, plus de tracteurs. Bah c'est vrai que j'ai pas trop pu étant donné que déjà fallait que je trouve une musique no copyright qui dure quand même. Donc là la vidéo dure 12 minutes, 11 minutes 47. Fallait que je trouve une musique no copyright qui dure autant de temps. J'ai trouvé, c'est pas ça le problème. Mais la vidéo, bah, la musique est pas trop bien, je trouve. Y aura mieux à faire, on est d'accord. Mais enfin, je trouve quand même que personnellement, quand je l'ai faite, c'était. Mais je me suis dit, mais au début, donc quand je l'ai commencé, au début, quand j'ai fait la partie avec avec la Sampo. Là, je me dis, putain, les mecs, ça pète quand même, hein. Si j'ai pas au moins, si c'est pas la vidéo la plus vue de ma chaîne, je ne comprends plus rien. Parce que quand même, la vidéo, à l'heure actuelle, la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est quand même une vidéo. Ah non, ça a été détrôné, je crois. Avant, c'était une vidéo Minecraft. Maintenant, c'est plus une vidéo Minecraft. Maintenant, c'est plus une vidéo Minecraft. Puisque oui, à l'époque, j'ai fait du Minecraft sur ma chaîne. Et oui, on a tous fait des conneries étant jeunes. On est d'accord. Non, mais la vidéo la plus vue de ma chaîne. La vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est quoi? C'est la livraison RP qui cumule 12 580 vues. C'est pas énorme, mais bon, c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'ai combien de vidéos au-dessus des 1000 vues? Enfin, c'est assez énorme. J'ai une page. Déjà, j'ai une page de vidéos. Enfin, c'est. Comment vous remercier? Comment vous remercier? Non, voilà, bon, faut que j'arrête un moment la vidéo parce que sinon elle va être trop longue. Mais voilà, petit truc aussi puisque je vous parle. À venir sur la chaîne, et c'est vrai que j'aimerais en faire plus, c'est des vidéos présentation de mode. J'ai pas beaucoup le temps d'en faire, c'est assez dommage d'ailleurs. Mais des vidéos présentation de mode, alors présentation de mes modes, ça j'en fais à chaque fois que j'en sors un. Quoique non, je dis des conneries en fait, parce que j'ai sorti un mode il y a pas longtemps. J'ai sorti un mode il y a pas longtemps, c'était des drapeaux, les drapeaux des régions, des différentes régions françaises. Donc il y avait le drapeau catalan, il y avait le drapeau corse, il y avait le drapeau breton, il y avait le drapeau, je sais plus. Faudrait que je retrouve le mode vite fait. Il y avait quoi comme drapeau? 2 secondes, je regarde juste sur LS15 mode puisque je poste tous mes mods dessus. Sur LS15 mode, très bon site de mode d'ailleurs.
On trouve pas mal de modes là-dessus, hein. Vraiment, vraiment aller regarder. C'est assez énorme. Il y a le drapeau corse, il y a le drapeau. Je sais plus d'où. Basque, basque, voilà. Du Pays basque. Il y a le drapeau belge, canadien, donc je l'ai dit, suisse. Bon, voilà, j'ai essayé de représenter différentes régions. J'ai failli mettre un drapeau ligérien, puisque comme vous le savez tous, je viens de Loire-Atlantique. Je l'ai pas mis, mais bon, ça aurait donné un petit truc pas mal quand même. Mais voilà, je tiens tout de suite tous à vous remercier. Non, en fait, je raconte des conneries. En fait, je fais pas des vidéos à chaque fois que je sors des modes. Hein. Parce que là, le semoir combiné Earth-Kun, j'ai pas fait de vidéo dessus. Là, le pick-up de 10 mètres, j'ai pas fait non plus une vidéo dessus. Non, j'en compte des conneries. Par contre, en tout cas, un truc qui me fait vraiment très plaisir, c'est vous, enfin, vous vraiment, vous me soutenez et voilà, ça je peux que vous remercier. Sachez que à l'heure actuelle, je suis le seul modeur français qui poste autant de tutos. C'est-à-dire qu'en France, ou en tout cas dans les pays où on parle français, je suis le mec qui fait le plus de tutos vidéo modding. Et rien que ça, c'est déjà, je trouve, énorme pour commencer. Je trouve ça déjà énorme. Mais voilà, après, moi ça m'embête pas. Puis j'aime rendre service aux gens. Après, faut pas non plus que les gens me critiquent. Parce que sinon, comme je l'ai dit dans une vidéo, j'arrête tout, hein. Moi, c'est pas le problème. Moi, je fais ça pour vous, hein. Alors, je fais ça aussi pour moi pour avoir des vues. Mais les vidéos tuto Giant Editor, c'est pas les vidéos les plus de ma chaîne, hein. C'est loin de là. Donc, limite, si j'en fais plus, bah, j'en ferai autre chose. Mais moi, ça me changerait pas grand chose. Ça me changera pas grand chose. Je modderai pareil, mais bon. Donc, ne demandez pas trop non plus en modding. Je veux bien que vous postez des trucs, mais moi, je suis comme Galax, un gros feignant. Voilà, ça c'est dit, le coup de gueule est passé. Je suis comme Galax, un gros feignant, et je fais que ce que je veux. Non, je dis pas ça parce que Galax, ça c'est le cas de Galax, ça on est d'accord. D'ailleurs, il m'énerve lui, mais bon, peu importe. Il va, là, sa chaîne YouTube va descendre. Mais bon, c'est Galax qui voit, hein. Mais ça, là, sa chaîne YouTube est en perdition totale. Et Galax compte ses derniers mois. Ça, je vous le dis. Je vous le dis clairement. Et là, ça va être la fin. Voilà. Selon moi. Après, chacun voit ça comme il veut. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Posez-moi des questions sur la chaîne, sur des mods, en commentaire. Voilà. Je vous répondrai avec plaisir. Et en attendant, merci à tous. Et à plus, tout le monde.